Au moins 4 personnes ont été tuées et 6 blessées hier dans le crash d'un hélicoptère dans la lagune de Lagos, capitale économique du Nigeria. Un bilan annoncé par les services de secours. En Centrafrique, Babacar Gaye, le chef de la mission de l'ONU, MINUSCA, a été renvoyé après une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus. Célébration hier en Afrique d'une année sans poliomyélite, une étape importante vers l'éradication de la maladie, mais qui reste encore loin d'une victoire définitive sur le poliovirus sauvage. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Et nous démarrons par le Mali où un policier et un civil ont été blessés hier mercredi à Bamako par des hommes armés non identifiés qui ont tiré sur un poste de police. Cette attaque intervient 5 jours après une autre meurtrière contre un hôtel à Sévaré revendiqué par des djihadistes. Cependant, rien ne lie les deux événements et le ministre malien de la Sécurité, Sada Samake, a assuré que l'opération menée contre le poste de la gare routière du quartier de Sogonico est un acte isolé. Ce jeudi, sur les réseaux sociaux, plusieurs Maliens ont affirmé ne plus se sentir en sécurité dans leur pays. Au moins 4 personnes ont été tuées et 6 blessées dans le crash d'un hélicoptère. C'était hier mercredi dans la lagune de Lagos, capitale économique du Nigeria. Ce bilan, il faut le préciser, a été confirmé par les services de secours. Reportage. L'appareil exploité par le Bristol Group, société américaine de transport par hélicoptère pour le secteur de l'énergie offshore, s'est écrasé derrière un poste de police dans le nord de Lagos, selon l'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria. 4 cadavres ont été récupérés pour l'instant. Le porte-parole des services de secours a ajouté que les blessés avaient été amenés dans 2 hôpitaux. Aucune information n'a été donnée sur les victimes, notamment sur leur nationalité ni sur les causes de l'accident. En outre, 2 autres personnes sont portées disparues dans l'accident et elles sont activement recherchées dans la lagune de Lagos par les services de secours. Le bilan fait également état de 6 blessés. Le Bristol Group a confirmé le crash de l'hélicoptère dans un communiqué affirmant que l'engin se dirigeait vers l'aéroport international Murtala Mohamed dans la banlieue nord de Lagos. Selon les responsables du groupe, l'hélicoptère revenait d'une plateforme de forage en mer. Des informations préliminaires indiquent qu'il transportait 10 passagers et 2 membres d'équipage sous réserve de confirmation. Notons que les familles des victimes sont en train d'être contactées et Bristol coopère pleinement avec les autorités nigériennes. La flotte de 500 hélicoptères de Bristol a comme client du personnel travaillant dans l'industrie énergétique et opère au Nigeria et dans la plupart des autres régions majeures de production offshore de gaz et de pétrole dans le monde. Rappelons qu'il y a eu de nombreux accidents d'hélicoptères militaires au Nigeria au cours de ces dernières années, mais les crashs impliquant des appareils privés restent assez rares dans le pays, premier producteur africain de pétrole. Du Nigeria, rendons-nous au Bénin où, après la proclamation des résultats des élections municipales, l'heure est désormais à la prise de fonction des nouvelles équipes dirigeantes. À la mairie de Semepodi, l'une des communes les plus peuplées du Bénin dans le département de l'Ouémé, la passation de service a eu lieu hier mercredi et ce, malgré l'absence du maire sortant incarcéré pour une affaire domaniale. C'est donc au premier adjoint au maire sortant qu'est revenue la responsabilité de passer service au nouveau maire Charles Magnonfort, désormais installé pour les 5 prochaines années. Je vous propose à présent de suivre un extrait de l'allocution du tout nouveau maire de Semepodi. C'est sur des propos recueillis par Johannes Toanou et Faustin Sassou. La gestion de la commune de Semepodi, porte d'entrée de 2 grandes villes que sont Cotonou et Porto Nouveau, constitue à notre entendement la recherche de solutions pour la satisfaction des besoins vitaux de notre population. Semepodi est une commune qui, de par sa démographie, sa position géographique et ses potentialités, bénéficie des atouts naturels qu'il faudra ensemble valoriser : la route, l'électricité, l'eau, la santé et l'environnement, la sécurité,
l'éducation, l'épanouissement des jeunes et des personnes âgées, la mise en confiance de nos partenaires techniques et financiers, le réchauffement des relations de partenariat avec les opérateurs économiques installés sur notre territoire. Oui, je me réclame des hommes de vision. Je suis un bâtisseur. En bref, l'organisation État islamique a affirmé avoir décapité le Croate travaillant pour une compagnie française et enlevé en Égypte. Si l'assassinat était confirmé, il serait le premier occidental exécuté par des djihadistes dans ce pays. Le Premier ministre croate a indiqué ne pas être en mesure de confirmer à 100% la mort de son compatriote, mais une photo mise en ligne sur des sites djihadistes qui n'a pu être authentifiée dans l'immédiat montre le cadavre d'un homme surmonté d'une tête à côté d'un drapeau de l'État islamique. Les ravisseurs affirment qu'il s'agit de Tomislav Salopek, 31 ans, enlevé le 22 juillet dernier par des inconnus armés sur une route au sud-ouest du Caire. En République démocratique du Congo, le Sénat a adopté le projet de loi sur la répartition des sièges aux élections municipales, urbaines et locales. C'est à la faveur de la seconde session extraordinaire qui s'est tenue mardi dernier dans la capitale Kinshasa. 77 sénateurs ont approuvé ce projet de loi sur les 108 que compte la Chambre haute du Parlement au cours d'une plénière qui n'a duré qu'une dizaine de minutes. Le compte-rendu de Yayette Mavinganzao, notre correspondant à Kinshasa. C'est la session extraordinaire, la plus courte que le Sénat aurait connue depuis son installation. Léon Kengo Adondo, président du Sénat, à l'ouverture de cette particulière session, avait demandé aux sénateurs de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui fut fait. 77 membres présents ont voté à l'unanimité la loi sur la répartition des sièges aux élections municipales, urbaines et locales au cours de cette seconde session extraordinaire. Cette loi qui a été rejetée au cours de la précédente session extraordinaire tenue le 31 juillet 2015. À l'époque, les sénateurs de l'opposition la considèrent comme inconstitutionnelle. D'ailleurs, cette adoption s'est déroulée sans la participation de certains groupes de l'opposition politique comme le Mouvement de libération du Congo. Les sénateurs de la majorité présidentielle saluent cette démarche, expliquent que le texte a été soumis au vote tout en revenant sur le but de cette seconde session. En fait, on a reconsidéré notre décision parce qu'elle n'est celle qui a été prise ne traduisait pas la volonté de l'immense majorité des sénateurs. Ça, c'est la première chose. Et puis, vous savez très bien que ce projet de loi est décisif quant à la poursuite du processus électoral engagé par le pays. Les sénateurs qui sont les législateurs, c'est nous qui faisons les lois. Ben, nous avons fait une jurisprudence. C'est une loi. Signalons que le vote de ce texte devrait permettre à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections locales en octobre 2015, selon son calendrier électoral global publié en février dernier. En Centrafrique, le général Babacar Gueye, chef de la mission de l'ONU MINUSCA, a été contraint de déposer sa démission après une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus. Une nouvelle annoncée hier mercredi par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en personne. Voici les détails. Babacar Gueye, le chef de la mission de l'ONU en Centrafrique, renvoyé. Ce Sénégalais de 64 ans a dû remettre sa démission mercredi à la demande du secrétaire général de l'ONU. Il fait ainsi les frais de la série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus en Centrafrique. Je veux que les victimes sachent que nous nous efforcerons de faire respecter la responsabilité de notre institution afin de préserver leur sécurité et leur dignité. Aux victimes, je dis, nous sommes avec vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Sachez que nous ferons tout notre possible pour répondre à ces crimes scandaleux. Pour Ban Ki-moon, il s'agit avant tout ici de redorer l'image de l'ONU. Aussi, les faits incriminés ne resteront pas impunis s'ils s'avéraient exacts.
L'exploitation sexuelle et l'abus de pouvoir n'ont pas leur place aux Nations Unies, qui se bat pour les droits des femmes et des enfants dans le monde. Notons que l'annonce du renvoi de Babacar Gaye intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête sur des accusations de viol contre une fillette et de l'homicide d'un adolescent de 16 ans et de son père qui auraient été commis par des casques bleus au cours d'une opération armée à Bangui début août. Parallèlement, la France poursuit ses enquêtes dans le pays sur des allégations d'abus sexuels commis sur des enfants entre décembre 2013 et juin 2014 par 14 soldats français qui faisaient partie de l'opération Sangaris. Le continent africain a célébré hier mercredi une année sans poliomyélite. Selon les agences onusiennes, il s'agit là d'une étape importante vers l'éradication de la maladie à l'échelle planétaire, mais qui reste encore loin d'une victoire définitive sur le poliovirus sauvage. Les images. Prothèses de pieds et de moules en plâtre, des chaises roulantes, la vie de la victime de la poliomyélite se résume à ce calvaire. Mais depuis ce mercredi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui joue un rôle majeur dans les vaccinations, s'est félicité des résultats du combat contre le mal. L'Afrique vient de passer le cap de 12 mois sans signaler un cas de polio. L'organisme onusien, tout en saluant cette extraordinaire réussite, estime cependant que tout n'est pas encore terminé. Le dernier cas connu avait été enregistré en Somalie le 11 août 2014. Mais il faut 2 années, au total 100 nouveaux cas, pour qu'une zone soit considérée comme étant totalement débarrassée de la maladie. Il n'est pas exclu notamment que des cas isolés n'aient pas été recensés. Au Nigeria, pays longtemps particulièrement touché, le dernier cas connu date de juillet 2014. Cette maladie infectieuse, causée par le poliovirus sauvage, détruit le système nerveux, pouvant entraîner la paralysie et la mort. Elle reste endémique en Afghanistan et au Pakistan. Ce recul de la polio est un symbole fort des progrès accomplis sur le continent africain ces dernières années. Avec ce résultat, le monde est en passe d'éradiquer totalement une maladie pour la seconde fois dans l'histoire, après la variole aujourd'hui disparue. Place à présent à la revue de presse, l'actualité sur le continent africain, telle que relayée par les tabloïdes. C'est dans un instant avec Joël Yetondi. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Alors la revue d'aujourd'hui, nous la démarrons par la Guinée-Bissau, où la crise institutionnelle devient de plus en plus inquiétante. Tout à fait, et c'est Jeune Afrique qui fait le constat avec ce titre et qualifie cette situation de turbulence au sommet de l'État. Que se passe-t-il exactement? Agence Afrique souligne la dissolution du gouvernement tient toujours le pays en haleine. Face à la situation, rapporte UN Multimédia, le Conseil de sécurité appelle les leaders politiques à reprendre le dialogue. Alors, le Mali a à nouveau la cible d'une attaque et une fois encore, c'est Bamako qui a été frappé. C'était ça. Et Mali a-tu mentionné 2 blessés dans l'attaque d'un poste de police à Bamako. Mali Web précise, des coups de feu ont retenti à Sogonico, 2 policiers à terre, constate le site malien d'information. El Watan revient sur l'attaque de Sévaré, une attaque, relève-t-il, revendiquée enfin par un djihadiste. L'actualité au Mali, c'est également les élections communales et régionales, nous fait savoir le Républicain qui pointe pour leur tenue à bonne date, la CMA pose déjà un certain nombre de conditions. Et en République démocratique du Congo, on a enfin les nouvelles du militant de la Lucha, entre-temps porté disparu. Ah oui, la bonne nouvelle, on peut la découvrir à la une d'Africa Arabia. Le militant de la Lucha libéré par l'ANR, la structure fertière des services de renseignement congolais. Média Congo, l'ONU, qui a joué un rôle de premier plan pour sa libération, appelle à cesser immédiatement les arrestations extrajudiciaires en RDC. On est aux visions, nous parle de tout autre sujet, mais aussi préoccupant, 300 enfants adoptés légalement par des Français bloqués.
Alors, et en Centrafrique, la nouvelle qui fait la une depuis hier, le nouveau scandale de viol sur mineurs dont on accuse les casques bleus porte un coup dur à la MINUSCA. Ah oui, à Tucène, constate que c'est une tête, pas des moindres, qui est tombée à Tucène, parle du général Babacar Gueye qui a fini par rendre le tablier. C'est le web note que le général Babacar Gueye l'a fait de son propre chef, l'homme n'a pas été contraint à dégager le plancher. Réumi face à cette décision, Macky Sall, le chef d'État sénégalais, loue les qualités du général Babacar Gueye. Le Gélicom soupire avec ce titre, la MINUSCA et la braguette facile. La démission sera-t-elle suffisante pour corriger les préjudices causés? Joël Itondi, merci pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour d'autres informations. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.